parti pour le weekly vlog. Ouais. Yo sé que esto no volverá a pasar. Bon, là ça peut plus continuer. Désolée maman, je vais ranger. Hop. On est mieux là, non? Moi je préfère. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. J'espère que vous me voyez bien. Franchement, c'est trop trop cool l'Erasmus. Je vis vraiment ma best life. Mais là, par exemple, je viens d'avoir mes parents au téléphone. Il y a toute ma famille qui est réunie. Ils sont tous ensemble. Et moi, je me retrouve seule dans mon appart là. Vraiment, il faut que je profite à fond parce qu'à la fin de l'Erasmus, je vais être au bout de ma vie. Mais là, ça commence à faire 2 mois et demi quand même. Aujourd'hui, en vrai, c'était pas une journée de dingue, il fait encore pas beau. J'ai eu cours ce matin. Je me suis préparée parce que je vais bientôt avoir un entretien avec une autre boîte avec qui je suis en process. Finger crossed, parce que c'est ma préférée. Et j'ai commencé la série The One. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et j'avais fini Ginny et Georgia. Cool. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa à regarder. Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My life. Yeah, yeah. Les gars, hier, attendez, hier j'ai acheté des chaussettes chez Monkey, je les trouve trop trop belles, des chaussettes avec des petits cœurs, trop mimes. La chose à avoir hyper tendance, des chaussettes à brocart, ça aussi hyper tendance, c'est des petites chaussettes avec des seins. J'en ai eu pour 8 € les 3 paires, donc franchement ça va, elles étaient en réduction et puis elles sont trop cute, j'adore. Petit look du jour, nous avons ce petit haut de pumpkin, ce petit pantalon, ah bah de pumpkin, de pinkin, non, de pinky, mes super chaussettes et les chaussures de Stradivarius, on dirait vachement des Air Force, alors je les ai payé 20 €, hihi. Come around, yeah. You ease my mind, you make everything cool fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. Un peu quoi. Je rigole dans 4 secondes. Et tu rigoles. Non, hein. Tu n'entends pas. Elle est trop belle. Coucou, il faut que je vous montre ce que j'ai fait hier comme false, enfin false. J'ai fait un 3e trou, regardez. Du coup, ça faisait pas du tout mal, enfin j'abuse. Ça faisait vraiment pas trop mal, franchement, ça a duré 2 secondes. Et juste après, je sentais que mon oreille chauffait. Mais franchement, ça va. Et le temps de cicatrisation est de 3 mois minimum. Et je dois mettre du psy-psy genre 4 à 6 fois par jour. Et puis, j'ai payé 30 €. Go, elle a trouvé un stage. I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home.
Nouvelle technique. Une vraie femme à marier, celle-là. Non. Tu vois le zeste, le citron et tout. Waouh. Tuto, comment couper un oignon? Déjà, faut le couper en deux. Mais pas jusqu'au bout. Le truc, c'est qu'il faut jamais aller jusqu'au bout. Ouais, comme ça, ça le tient. Voilà. Attends, ouais, j'ai pas les lancer là. Il a pas fini. Après, je fais juste dans l'autre sens, c'est tout. Bravo. En gros, le samouré, c'est pareil. Ouais, il y en a, ils mettent des mentales aussi. Genre, je peux mettre soit des trucs crémeux, soit du fromage qui fond. Genre, on fait un beau petit carré. Faut pas trop charger. Hein. Ouais, elle est parfaite. Après, pour fermer, je fais d'abord en côté. Deuxième, aplati. Troisième. J'en ferai grave à mes darons quand je reviens. Oh. Alors, on la fait direct cuire sur cet écho. J'ai une famille. J'ai trouvé un stage. Pour vous expliquer la situation, si vous n'avez pas capté, je suis en école de commerce. Là, je suis en M1 au second semestre en échange universitaire à Göteborg en Suède. Et ensuite, en revenant en France, je dois faire 2 fois 6 mois de stage. Ça faisait depuis janvier que je cherchais un stage en ressources humaines. Donc au départ, j'avais pour projet de faire mon stage dans une grande entreprise, plutôt dans la mode, les cosmétiques ou le luxe. Finalement, j'ai dû élargir bien sûr mon champ de recherche. En tout, j'ai passé 6 entretiens. Donc à chaque fois des processus hyper longs, entretien téléphonique, entretien visuel avec plusieurs personnes, nanana, vous avez capté. Donc là, trop contente, j'ai trouvé du coup mon stage dans une société d'ingénierie et de conseil. J'ai adoré l'équipe, j'ai adoré l'émission, je vais faire chargée de recrutement. Donc je vais vraiment m'occuper du recrutement en fait des ingénieurs Bac plus 5. C'est préparé, je commence en septembre. J'aurai le temps du coup de trouver un appart pendant juillet, août et j'ai trop hâte de commencer. Bon courage si vous êtes encore en recherche de stage, vous inquiétez pas, ça va payer. Coucou. Bah là, t'es sûr que tu seras dans le vlog, hein. J'ai sorti la compote. Ah non. Les gars, il faut qu'on vous parle de ce soleil. C'est inédit là. C'est bon, hein. Julie, qu'est-ce que t'as fait? Non, 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 merci. Non.